الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous bisons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon faveur, pour ce bon ni'mat qui finit à cause de nous. Chaque moment de nous la vie, chaque instant de nous la vie, nous doit la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon ni'mat, pour ce bon faveur qui finit à cause de nous. Et en même temps, nous visons reconnaissants vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala qui les fin guide nous, les fin de nous hidayat, les fin faire nous de ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et sans doute, ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleur ummat qui finit là. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'oboul nos présences dans sa mahfil un peu spéciale. Et Allah Rabbul Alamin donne-nous barakat de sa mahfil là. Amin. Un mahfil spécial parce qu'il est lié directement avec la personnalité du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la personnalité du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure créature qu'il y a. Allah Rabbul Alamin fin créé Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il fait lui une meilleure créature. Un mahfil spécial parce que même s'il est lié avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais il est lié avec un aspect spécial de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui il appelle lui Shama'il. Alors aujourd'hui, c'est une première session. Et Inch'Allah, nous pouvons faire un effort pour continuer une session pareille, pour capable terminer sa sujet-là. Alors aujourd'hui, c'est juste une introduction. Et Inch'Allah, nous pourrons prendre un peu plus devant dans les autres sessions. Et pour comprendre, pour capable profiter avec ça, nous besoin et a une idée générale qui nous peut causer. Quand nous dit le Coran, nous tous nous connaissons qui était le Coran. Il commençait depuis Sourate Al-Fatiha
les terminer depuis annonce et les préserver dans la forme un livre, les devant nous là, il écrit alors là le Coran, le Karim, les en arabe, c'est une compilation de Ban Wahi que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a gagné et il mettait dans la forme un livre. Il préservait dans toute génération jusqu'à il arrive à nous. Et quand on dit le Coran, c'est Kalam Allah, ou bien on dit Allah, ce Kalam, transcrire dans la langue arabe, alors ça c'est le Coran. Alors, le Coran, il commence depuis Surah Al-Fatiha, il termine le Surah An-Nas. Mot pour mot, comme Nabi Karim, il gagne, il transmet, sans que Nabi Karim n'ajoute quelque chose là-dedans, sans que Nabi Karim ne retire quelque chose là-dedans. Comme Jibril, alayhi salam, il amène, Nabi Karim, il transmet pareil. Ça, c'est le Coran, qui nous appelle d'une autre façon, un wahi. Qu'il y ait l'autre pour faire ce tilawat, alors nous disons ça c'est wahi matlou. Un wahi qui nous gagne l'autre pour faire ce tilawat. C'est-à-dire, nous faire tilawat Coran, dans la main, quand il dit lire Coran, c'est nous lire sa wahi matlou là. Ensemble avec Coran, nous gagnons une autre forme de wahi. Nous appelons Wahi Ghayr Matlou. C'est une révélation, mais une révélation qui nous pas gagne l'autre pour faire ce tilawat. Ça veut dire dans namaz, nous pas récite hadith. Nous faisons namaz comme un Nabi Karim il enseigne nous, mais nous pas récite hadith dans namaz. Alors hadith, c'est un deuxième source de la loi sharia. Quand une la loi concernant din, une information concernant din, premièrement nous baser le Coran, si nous gagnons, nous prenons, si nous ne gagnons pas, nous ne pouvons pas trouver comme ça clair, alors nous guettons qui hadith peut dire l'Ola. Alors quand nous causons hadith, nous avons une définition pour hadith. Pareil comme le Coran, il y a une définition. Dans nos définitions, ce qu'il y en a, alors, ce qui nous appelle le Coran, l'hypobisin, d'après sa définition qui nous est là. Par exemple, quand nous dit le Coran, c'est en langue arabe. Si un jumon amène une traduction d'un ayat, alors, nous ne pouvons pas considérer la traduction là comme Coran. Nous disons que c'est la traduction d'un ayat Coran, mais il n'est pas Coran. À cause de ça, dans la main, si un jour, par exemple, au lieu de lire Surah Fatiha en arabe, il y a lit en ourdou, ce n'est pas en anglais, ce n'est pas en français, ce n'est pas en n'importe quelle langue. Mais un jour, il y a dit que ça tient pour lire Surah Fatiha, mais il y a Surah Fatiha. Mais nous disons comment il y a Surah Fatiha? Alors, il n'y a pas dit Alhamdulillah, il y a tamam tarif Allah. Non, mais non. Ton li a traduction en ayat. Ça cause ça, ton amant pas valable. Parce qu'il y a le Coran en arabe. Parce qu'il y a dans nos définitions, le Coran, il y a en arabe. Et il y a une révélation qui n'a pas été créée. Alors, si demain, un jour, il prend un texte. Depuis dans la Bible, en arabe, il récite lui. Le diable, mon lia kalam Allah. Le diable, est-ce qu'il y a sa kalam qui donne lia là? Est-ce qu'il y a révélé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Si il y a non, c'est qu'il veut dire, il n'y a pas Coran. Même lui en arabe, il n'y a pas Coran. Parce qu'il peut être Coran, il est bizarre qu'il révélé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit le Coran, dans notre définition, il transmet à travers Jibril, alayhi salam. Et il reste préservé de génération en génération. Alors ça, c'est un point dans notre définition.
Alors, cette définition-là, les commentaires ont un critère aussi qui nous peut baser pour nous dire, mais ça c'est Coran et ça c'est pas Coran. Alors, comme ça même, hadith, il y a souvent une définition. Quand on dit hadith, il y a une définition qui sont là qui nous donne une définition là. Là, il y a principalement deux catégories. Il y a une définition qui est donnée par un muhaddis. Et il y a l'autre, une définition pour le mot hadith, ou bien pour le terme hadith, qui est donnée par un fuqaha. Alors, un muhaddis et un faqih. Muhaddis, c'est un diamant qui, son travail, c'est, son intérêt, c'est, en prendre hadith, collecter hadith, transmettre hadith, qui pas m'écrit en écrit, ou bien donner les sons hadith. Les muhaddis. Et un faqih, les pas juste en prendre hadith pour transmettre les, li prend hadith là, li analyse li, li yete ki ban masala ki capable découvrir à travers ce hadith là, là li explique du moun la masala. Par exemple, Imam Bukhari, et ben le dot muhadith, le dot fin en prend un hadith qui concerne wuzu, de prend hadith là, de cite li comment il a. Un tel India, il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait wuzu comme ça, ou bien il dit telle affaire concernant wuzu, il met li là. Li pas rentre dans son affaire pour analyser mot pour dire, mais ce hadith là, il met telle affaire, il met non. Mon hadith, c'est qu'il n'y a rien, il transmet, il met là. Il paraît comment, un jour, dit ce travail, il a collecté une plante, il y a mis limite là. Lui, il existe collecter plante là, limite là. Mais il y a l'autre monde, lui, il analyse une plante là, et finalement, lui, il dit, mais sa plante là, il est bon pour tel malade, sa plante là, il est bon pour tel malade, sa la tisane là, il est bon pour tel malade. Lui, il connaît qui médecine, qui besoin de servir pour qui malade. Et par contre, ça l'autre là, lui, son travail, il existe collecter tout ça, man. Verdure là, il y a mes lignes là. Alors, Mohadis, il y collecte tout mon hadith, il met là. Par contre, Fakih, il analyse hadith là pour nous dire, pour lui dire que ça qui est là, jaïs ou bien il n'est pas jaïs. Ça qui est là, halal ou bien il est haram. Ça, c'est mon Fakih. Alors, Mohadis, il donne sa définition. Et Fakih, il donne sa définition. Mohadis, dans sa définition pour hadith, l'idée, c'est que Rasulullah, il dit, ça veut dire Rasulullah, sa parole, ou bien Rasulullah, sa action, ou bien quelqu'un, il fait une petite chose, ou bien il dit une petite chose, dans la présence, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, l'inapprouve par son silence. Quand on dit l'inapprouve par son silence, il y a envie de dire, que c'est qui ça, du monde là, il fait, ou bien du monde là, il dit, devant Rabbi Karim, si qui sont là, pas si bon, Nabi Karim, tu m'as mis en pèse. Mais quand Nabi Karim, pas de dire, ce qui veut dire Nabi Karim, il n'a pas oublié d'accepter. Alors, lui, on appelle ça Nabi Karim, soit parole, Nabi Karim, soit action, et Nabi Karim, soit takrir. Takrir là veut dire, l'inapprouve qui sont là par son silence. Ça, trois qui sont là, Mohadis, lui, il prend ça dans sa définition pour Hadis. Quatrième, Mohadis, qu'il vient faire, c'est l'ingay un texte pique pose concernant Nabi Karim sa description physique. Nabi Karim sa visage Mubarak, c'est comme ça. Nabi Karim sa lame, c'est comme ça. Ou bien, quelqu'un trouve Nabi Karim sa sémé, c'est une couleur. Alors, ce qu'il nous appelle description physique, Mohadis là, l'in met ça dans sa catégorie là. Ça veut dire pour un Mohadis, il y en a sa quatre petites choses là. Dans la définition hadith. Soit les pécaux, Nabi Karim, soit parole, soit Nabi Karim, soit action, soit Nabi Karim, soit takrir, ou bien Nabi Karim, soit description physique. Quatre choses là, dans la définition, mon hadith là-dedans.
Par contre, faqih, il prend sa trois qui muhaddis, il prend là, mais sa dernière là, muhaddis, il n'est pas inclus à lui. Faqih, il n'est pas inclus à lui là-dedans. Ça veut dire description physique, il n'est pas inclus à lui là-dedans. Lui, il est plus intéressé avec sa trois qui sont là, Nabi Karim sa parole, Nabi Karim sa action, et quelqu'un il fait un kitsoul ou bien il dit un kitsoul devant Nabi Karim il n'a pas oublié. Par son silence. Alors, faqih, il prend ça, juste trois définitions. Trois points là, dans son définition pour hadith. Qui fait maintenant les cinq analogies. Mohadis, il y a tout ce qui est lié avec Nabi Karim, bon, prends mon mettre là. Description de Nabi Karim sur physique, ils font partie dans Nabi Karim sur ce qui concerne Nabi Karim, alors il n'y a pas. Mais par contre, Fakir, il dit, moi, je n'ai pas là, je n'ai pas parlé ça, parce que description physique de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelque chose qui, du monde là, pour bien pratiquer. Du monde là, le public là, il pour bien pratiquer quelque chose que Nabi Karim fait, Nabi Karim dit, ou bien un quelqu'un il fait, ou bien il dit devant Nabi Karim il approuve. Et moi, je suis intéressé avec ça, parce que moi, vous servez ça trois qui sont là pour nous déduire avant le masala dans l'islam. Alors, faqih, l'Iban prend ça, quatrième description physique qui, Mohaddis, il prend là. Alors, parmi les Mohaddis, il y en a plusieurs à Invini, d'autres films, inclus dans d'autres livres, certains man hadith qui peut cause Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur description physique. Nabi Karim sur man principe, sur man l'habitude. Nabi Karim sur qui dit fait content. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur linge. Nabi Karim sur lili. Nabi Karim sur manger. Nabi Karim sur façon boire. Nabi Karim sur façon manger. Alors, mon hadith, il inclut tout là-dedans. Là, dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daoud, tout le livre hadith, on peut gagner certains hadiths qui peuvent raconter nous, Nabi Karim, comment tu étais. Nabi Karim, comment tu veux faire ce bon affaire. Là, il y a certains hadiths qui compilent les hadiths qui pas que cause Nabi Karim soit parole ou bien Nabi Karim soit action, donc compile ban hadith pour dire que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam soit ban l'affaire comment tu étais. Nabi Karim soit kurta comment tu étais, soit amama comment tu étais, Nabi Karim soit soulier mubarak comment tu étais, Nabi Karim soit chameau qui tu peux servir comment tu étais, Nabi Karim quand tu peux masquer comment tu étais, Nabi Karim soit serré comment tu étais, Nabi Karim soit l'écho physique, comment tu étais. Alors, on prend tout ça dans le hadith là, on compile et on appelle le Shama'il. Alors là, quand nous causons Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois chapitres liés avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, si nous avons envie qu'on Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité, nous pouvons bien lier à ces trois chapitres là. Là, nous connaissons Nabi Karim, sa personnalité, dans son intégralité. Il ne faudrait pas qu'il nous divise tous les trois, nous prend un là-dedans, nous ne pouvons pas comprendre tout concernant. Nous ne comprenons pas aussi qu'il soit, mais nous ne pouvons pas comprendre beaucoup qu'il soit, parce qu'il dit. Il y a absolument un livre en trois chapitres, mon lire un là-dedans, mon papa, quand il a fini, il y a un livre là, mon fini, comprendre le livre là-dedans. Si vous utilisez tous les trois chapitres, là où tu peux comprendre, ça livre-là correctement. Vous ne comprenez en entier. Alors, il y a un chapitre-là, nous appelons-le Shama'il. Un autre chapitre, nous appelons-le Khasa'il. Et il y a un autre chapitre, nous appelons-le Fada'il. En ourdou, nous disons Faza'il. Trois petites choses, trois chapitres différents. Alors, Shama'il, l'hypécause, Nabi Karim, sur une qualité naturelle. Ou bien nous dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur une qualité inborn. Ça veut dire Nabi Karim qui est né comme ça. Il n'y a pas une question que Nabi Karim l'in gaïli après qu'il n'y fait un peu d'effort, l'in fait l'exercice, l'in fait ça. Par exemple, un djoumoun sur le corps normal, l'in fait telle dimension,
du monde là, il commence à mettre poids, il commence à faire l'exercice, il y a le gym. Après quelques temps, du monde là, comment dire, sur les coins, il s'en est. Alors, quand on peut dire à Shama'il, là, il peut cause Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sauf une qualité naturelle qui tient à l'homme. Quand on dit à Khasa'il, Sanara, c'est une question qui pas tient à l'homme avant, après ça, elle est là, ça y est. Ça, c'est man Khasa'il. Ça veut dire qu'il est développé. Et quand on dit à Faza'il, Sanara, c'est une qualité spéciale qui est là dans un kikan, qui peut en aller dans l'autre, qui fait lui une différence avant les autres. Alors ça, c'est une petite chose, une faveur spéciale, qui Allah accorde à un du monde, ça du monde là en aller et un autre du monde peut en aller. Ça, c'est Faza'il. Quand on en prend ces trois chapitres-là, là où il y a un connu Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité, bien. C'est-à-dire, Shama'il, un chapitre-là, plus il y a un ulama, il écrit un livre-là, et un livre intéressant, parmi là-dedans, parmi un ulama, ce qui ne reste, comment dire, plus connu, c'est Imam Tirmizi. Imam Abu Isa al-Tirmizi. Là, nous faisons attention. Et il y a un imam, ça c'est Abu Isa al-Tirmizi. Et un autre imam, Lili, et là, ça m'a Tirmizi là avec lui, mais seulement une autre personne. Alors lui, dans son nom, il y a Hakim al-Tirmizi. Hakim al-Tirmizi. Lili Tibin, dans l'époque après. Alors parfois, il y a du monde qui fait confusion. Quand il dit Hakim al-Tirmizi, dans la tête, il croit Imam Tirmizi, ça. Alors il prend pour Imam Tirmizi, Abu Isa al-Tirmizi. Non, il y a des personnes différentes. Imam Abu Isa al-Tirmizi, il était dans même l'époque avec Imam Bukhari, c'est-à-dire 3e siècle Hijri. Au contraire, il disait Imam Bukhari, il en prend avec lui tout. Lis ce livre, hadith qu'il est compilé, il fait partie de Siha Sita, que nous appelons Jami' Tirmizi. Jami' Tirmizi. Il écrit Jami' Tirmizi, un livre vraiment important pour l'islam. Jusqu'à une certaine manoulama, le pays explique nous l'importance de ce livre-là, Jami' Tirmizi. Le jour, si un jour, il a jamais attirmisé dans la case, il comment dire, il a un prophète qui peut causer dans la case. Quel est l'envie de dire là? Pas de dire qu'il a un rasoul dans la case, non. Il a envie de dire, Nabi Karim, sur une parole, en écrit, il a lu dans la case. C'est un livre, il appelle Al-Jami' al-Sahih. Là aussi, il y a un beau temps, nous connaît, qui fait, nous appelle Al-Jami' un livre hadith titre qui nous donnait différent. Par exemple, il y a certains livres hadith nous appelons les Mousnad. Qui fait un appel les Mousnad parce que c'est un livre qui est compilé en tenant compte Sanad Soban Riwayat. Par exemple, Mousnad Imam Ahmad. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le point un sahabi, Abu Bakr Siddiq. Tout le hadith qui est rapporté, il met l'un de l'autre. Le hadith qui est rapporté par Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Après, il prend un autre, Abu Huraira. Tout le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, il cite Yaliman. Après, il vient Hazrat Omar, par exemple. Tout le hadith qui est cité par Hazrat Omar, un de l'autre. Tout le hadith qui est cité par Hazrat Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Il y a les mêmes sahabis, pas sahabis rapportés à des hadiths-là, ils mettent tout un des à l'autre, et finalement, on gagne plus de 20 000 hadiths, ils compilent dans Mousnad Imam Ahmad. Et comme ça, il y a beaucoup de livres appelés Mousnad. Comme ça, même dans un livre hadith, nous appelons Al-Mu'jam. Et comme ça, même dans un livre hadith, nous appelons Al-Jami'. Par exemple, Sahih Bukhari, il considérait Jami'a.
Quand on dit à Sahih Muslim, il est considéré jami'a. Quand on dit à Tirmidhi, il est considéré jami'a. Qui fait appel lui jami'a. Alors, ben muhaddisin, ben ulama, de dire, il y a 8 chapitres. Si un livre, il peut couvrir sa 8 chapitres-là, alors nous mettons dans la catégorie jami'a. Alors, imam Tirmidhi, il compile ce livre, jami'a Tirmidhi, alors, il couvrait à sa 8 chapitres là. Alors, dans une classe li, dans sa classement là, de pan appelé Mousnad, de pan appelé Mu'jam, de pan appelé Mustakhraj, mais il appelé Jami'a. Alors, imam Tirmidhi, il prépare un livre, Jami'a Tirmidhi. Et parfois, nous appelé Sunan à Tirmidhi. Et dans certains livres, hadith, nous appelé Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai. Sunan Tirmidhi, ça veut dire l'imam Tirmidhi, son livre, parfois nous appelons Al-Jami'a et parfois nous appelons Sunan, parce qu'il peut respecter tous les critères. Ou envie d'aller Sunan aussi, ou d'aller Jami'a aussi. Il prépare un autre livre, appelé Kitab al-Ilal. Ça n'a pas de cause dans un hadith qui est un point de discussion et concernant ce hadith-là. Ce n'est pas un rawi là-dedans, un rawi manqué là-dedans, ou bien il y a un problème avec un rawi là-dedans, ou bien il y a un mot là-dedans, il y a une discussion là-là. Alors il écrit un livre appelé Ilal. Et ça, c'est un sujet important, bien important. Jusqu'à il y a un ulama, de dire il y a bien tigin un ulama qui maîtrise sa domaine Ilal. Imam, Tirmidhi, il t'y maîtrise sa domaine-là. Ilal. Il t'y connaît de qui ban hadith, qui ban point, et qui, comment dire, capable de débattre. Il t'y connaît ça. Imam Bukhari, il t'y connaît Ilal. Il écrit un autre livre, à Tarikh, mais seulement à Tarikh, là, il disparaît, pas qu'on ait un côté lié, pas, comment dire, il n'est pas dans la disponibilité, ben, je vous. Et comme ça même, il prépare un livre, il appelle-le Shama'il. Et sa façon qu'il prépare le livre-là, tout ban ulama qui vient après, de nous servir ça comme référence. De nous servir ça comme référence. Pan ena, aucun alim qui vient dire non, ce livre-là, il est mal préparé. Non. Tout il reconnaît ça. Au contraire, ban hadith qu'il cite, il fait un commentaire à le hadith là. Plusieurs ban ulama, il fait un commentaire et parmi la dan gain, par exemple, Mulla Ali Qari rahmatullahi alayhi, alors lui, il fait un commentaire qui m'a dit avec moi, alors al-Shama'il par Imam Tirmidhi, il y a un seul volume, mais l'état il fait un commentaire, il vient beaucoup, alors il met lui en deux parties des volumes dans un nada, alors il publie ça. Ça veut dire Imam Mulla Ali Qari l'invini, il fait une explication, le saman hadith qui imam Tirmidhi incité dans Ash-Shama'il. Et ensuite, finena, ben ulama, l'invini, il traduit Ali, et là, il traduit Ali en ourdou, et là, il traduit Ali en anglais. Par exemple, il y a avec moi, Sanala, c'est imam Tirmidhi sur Ash-Shama'il, mais il traduit Ali en anglais avec un petit note là. Là. Et, en même temps, Inch'Allah, quand le programme finit, l'in inclut une affaire là-dedans. Qabr de l'imam At-Tirmidhi. Vous avez l'occasion d'être l'imam At-Tirmidhi sur le Qabr, comment était. Alors, comme ça, finena, ben ulama, il travaille beaucoup là. Et finena, une partie, ben ulama, il vient pour simplifier le travail là, de le faire à Mukhtasar. Mukhtasar Shama'il. Ça veut dire de nous prendre un hadith essentiel, important, de nous simplifier pour comment dire, faciliter le jour. Alors, à Shama'il, par Imam Tirmidhi, il prépare un livre là, lila. Alors, il y a 56 chapitres là-dedans. 56 chapitres. Dans sa 56 chapitre-là, Imam At-Tirmidhi, il cite
415 hadiths. 415 hadiths. Et l'incite saman hadith là, Imam Tirmidhi, l'incite sur sanad tu saman la péla, dans différents chapitres, l'incite saman hadith là. Alors, 415 hadiths divisés en 56 chapitres différents. Alors, dans ce premier chapitre, pour donner une idée, dans ce premier chapitre, qui peut cause concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur l'apparence physique. Nabi Karim sur l'apparence physique. Imam Tirmidhi, il nous met un chapitre, Khalqi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Khalqi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y fait 15 hadiths là-dedans. Dans ce premier chapitre, il cause 15 hadiths. Sa premier hadith, qui Imam At-Tirmidhi, il citait là, l'état où il est sur Sanad, dans Sanad là, il y a des noms qui, comment dire, qui est intéressant à noter. Alors, il y a un, nous dit Imam Malik. Alors, Imam Malik, son nom c'est Malik ibn Anas. Un imam, Malik ibn Anas. Pareil comment, nous avons Imam Abu Hanifa, nous avons Imam Shafi'i, nous avons Imam Ahmad ibn Hanbal, comme ça nous avons Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas. Alors dans sa premier hadith qui Imam Tirmidhi il citait, dans ce sanad de ce hadith-là, et na Imam Malik son nom paraît. Après, et na Imam Malik son oustad, ou bien son cheikh, et sa cheikh là, lui, son cheikh qui s'en là, c'est un sahabi, appelé Anas ibn Malik. Alors là, ben non là, oubliez faire attention. Dans une seule sanad, en là, Malik ibn Anas, déjà là, Anas ibn Malik. Malik ibn Anas, ça c'est Imam Malik dans sa quatre mazhab là. Et Anas ibn Malik, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sahabi Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Hazrat Anas, son hadith paraît beaucoup là-dedans, dans Shama'il, qui fait son raison. Hazrat Anas, depuis son zain az, l'in reste de khidmat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et l'in, dans le hadith, il dit, Lidia, mon père, khidmat Nabi Karim pendant 10 bonnes années, mon reste dans la case. Jamais Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, n'y fait moi une reproche. Jamais Nabi Karim, il crie en moi. Jamais Nabi Karim, il bat moi. Tout le temps, Nabi Karim, il traite moi bien. Hadat Anas, radiallahu anhu, pécou Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, sur akhla. Alors, ça, des noms-là, il parait. Alors, sa première hadith-là, Hadat Anas ibn Malik peut donner une description Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Les dire Nabi Karim, comment tu étais, sa description physique. Les dire laïsa bit tawil al-ba'in. Nabi Karim n'est pas un djumoun trop long. Et ni Nabi Karim un djumoun trop court. C'est-à-dire, il peut cause Nabi Karim se ôter à comment tu étais. N'est pas un djumoun trop long. Et ni il un djumoun trop court. C'est-à-dire, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, tiena en hôte existe. Après, il dit, voilà, bil abiyam al-amhaq. Ni Nabi Karim, tien djumoun blanc. Et en nous dit, Nabi Karim, en djumoun, un teint clair. Et ce teint clair là, il n'y a pas d'assence qui, comment dire, blanc. Et il dit, il n'y a pas ni trop brun. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tient une couleur, un teint clair, quand il y a une trace, comme on dit, une rougeur à là-dedans. Pour faire nous comprendre Nabi Karim, sa beauté, comment il était. Après, là, le jeune Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son CV, ni tient un CV bouclé, et ni il tient un CV droite. Ça veut dire, il tient entre sa dé là, Nabi Karim, son CV Mubarak. Alors, Inch'Allah, nous vous gagnons l'occasion de faire ziyarat. Nabi Karim Sobal Mubarak, nous pouvons bénéficier
barakat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Apa dia dia? Ba'athahu Allah ala ra'si 40 sana. Insyabian mul ada ra's. Sedangkan man ulama dia ra's isi dia commencement. Et certains man ulama de dire ras en vérité veut dire la fin. Alors il envoie lui dans la fin de son 40 bananes. Ça veut dire que Nabi Karim, cela il termine 40. Alors le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, Allah il envoie lui pour inviter Benjamin faire dawa, pour déclarer son nubuwwat à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire la fin de son âge 40 ans. Ensuite, il y a Fa'aqama bi Makka Ashara Sini. Nabi Karim, il reste dans Makka, selon ce hadith-là, 10 bananes. Alors là, il vient un problème. C'est un jour mal comprend. Il dit, mais tu sais, nous connaissons Nabi Karim, il vit 13 bananes dans Makka, après qu'il déclare son nubuwwat. Qui fait hadith-là, il y a 10. Et dans certaines, manjoumoun qui pas d'accord avec hadith, parmi les points qu'ils ont soulevés, de dire, voilà, il a une contradiction de hadith. Hadith, il y a 13, ça, hadith, il y a 10 bananes, mais une contradiction, parce que hadith, il vient après, du monde, il a ajouté une coupée transée, alors nous pas qu'à suivre hadith. Quand en réalité, qu'ils sont là, livrés là. Ça, sahabi là, quand il paye rapport, ça, il n'est pas payé rapport, ça, pour n'en rien là. Livré, il y a. Mais seulement 10, nous voulons comprendre qu'il n'a envie d'y avoir pas 10 bananes dans ma cas. Mais donc, la vie de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, quand le Nabi Karim finit à son âge 40 ans, il recevait la première révélation, le Coran. Après ça, il y a une pause pendant 3 ans. Pendant 3 ans, appelle ça Fataratul Wahd. Il y a une pause. Après ça, il y a Jibril alayhi wa sallam qui vient avec Surah Muddassir, quand Allah s'est donné l'autre pour invite Benjamin vers l'islam. Alors, quand on tire sa 3 bananes pause qu'il est là, alors il reste 10 bananes qui n'avaient qu'à l'île inactif dans Makka, il fait ce travail, tablir et dire. Mais hadith là, il est bon là. Et quand nous avons dit 13 bananes, nous avons envie de dire prendre et puis qu'il prenne un wahi, il gagne là, jusqu'à qu'il n'avait qu'à l'île, il fait hijra 13 bananes, il passe dans Makka. Mais pas la contradiction, simplement nous avons compris. Et là, il peut cause sa 10 bananes actifs là, et l'autre là, il peut inclure sa première révélation qu'il Nabi Karim il gagne là, et il inclure ses 3 bananes pause qu'il est là, il inclure tout, et là, il peut dire 10 bananes. Après, là, il dit, « Wabil Badina, Ashara Sini. » Après ça, Nabi Karim il vient de Madina, et Nabi Karim il vit 10 bananes de Madina, « Watawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana » Et quand Nabi Karim, il finit, dépasse ce 60 bananes sur la vie, là, Nabi Karim, il gagne son wafat dans Madina. Encore une fois, il peut cause ça. 3 bananes, si nous tirons là, 10 bananes dans Makka, Nabi Karim, fait hijrat de mine dans Madina, et Nabi Karim, il vit sur la vie 60 bananes dépassées, là, Nabi Karim, il gagne son wafat dans Madina Munawara. Et quand Nabi Karim, il gagne son wafat, وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء كان النبي الكريم بيجي سو وفاة المدينة باتينا plus que 20 brins sebe blanc le nabi karim sur la tête mubarak ça veut dire que le nabi karim بيجي سو وفاة سو sebe pati vin blanc complètement patina plus que 20 brins sebe qui comment dire ti blanc le la tête mubarak de nabi karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Mandjaou, il y a 15 hadiths qui sont cités, et parmi ces 15 hadiths-là, nous avons gagné un hadith, hadith numéro 10, qui nous donne une information spéciale, 10e hadith de ces 15 hadiths-là, un sahabi appelé Jabir ibn Samura, lui dit, « Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam » في ليلة إلحيان إلحيان لجمن تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا ان لانوي كتنا لالين تبي كليري وعليه حلة حمراء نبي كريم صلى الله عليه وسلم تنا نشال لولي كل روز
فجعلت انظر اليه والى القمر. Ce sahabi là, Jabir ibn Samura, il dit, comme on dit le Nabi Karim à soi là, un chadar ou bien un châle au lit couleur rouge, et en même temps la ligne peut éclairer, il dit à mon guet Nabi Karim, ou il a le kamar et mon guet la ligne. Falahu wa indi ahsanu min al kamar. Mon trouve Nabi Karim plus joli que la ligne dans mon calcul. Et il dit pour moi, mon perception, Nabi Karim c'est plus joli que la ligne. Alors, dans nous avons un hadith de Sahih al-Bukhari. Hadith de Sahih al-Bukhari, hadith numéro 680. Hadith numéro 680 de Sahih Bukhari. Et dis-nous, ben, sahaba, comment il comprend beauté Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans son dernier l'air, quand il tombe malade, c'était dans le mois Safar que Nabi Karim tombe malade. Après, quand il arrive, Rabbi Allahouel, Nabi Karim, il gagne son wafa. Alors, quand Nabi Karim tombe malade, il va te faire une fénomène dans la masjid, Hadati Abu Bakr le Siddiq, tu peux faire une fénomène, ben, le sahaba dit, quand on vient dans la masjid, nous peut faire une fénomène, dans la masjid, nous trouvons Nabi Karim sur le rideau, puis avancer, nous connaissons Nabi Karim pour venir dans la masjid pour faire une fénomène, les dire, ben, le sahaba dit, nous finis de décider pour cacher nous dans la masjid, dans le contentement, pour faire ziyarat Nabi Karim sur Tchehra Mubarak. Alors, dans le hadith, là, il nous servit. Ce terme-là, que Nabi Karim, tu peux djibouti, côté sur la peau, et sur le visage Mubarak, tu peux éclairer, qu'annahu waraqatul mushaf. Nabi Karim, sur Tchehra Mubarak, tu peux éclairer, comment dire, un Coran qui est ouvert devant nous. Pour faire nous comprendre comment, ben, sahaba, donne objet à beauté Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous gagnons aussi sa 15e hadith de Ash-Shama'il, sa hadith-là, un sahab, Hadat Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, li dit, lija kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aflaja saniyatay, Nabi Karim sur les dents Mubarak, tina un tifant entre sur les dents. Et les dire, il a takallama, quand Nabi Karim t'y peut causer, ruhi ya kanour, Nabi Karim, sur l'Eda Mubarak, t'y peut éclairer, comme on dit, la lumière peut éclairer. Nabi Karim, sur la bouche Mubarak, sur l'Eda Mubarak, t'y peut éclairer, comme on dit, la lumière peut éclairer. Les dire, yachrujo membaini sanaya, sa la lumière là, comme on dit, t'y peut sortir entre ce bande des dents. Ben sahaba ikram, ben sahaba ikram, comme on dit, don observe, beauté Nabi Karim et chacun période exprime Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sa beauté. Et dans sa 15 hadith là, il y a un là-dedans, sahabi là dit, jamais on trouve une personne plus jolie que Nabi Karim, ni avant, ni après. Sahabi, il trouve Nabi Karim sa beauté, les diamants ne trouvent jolie que Nabi Karim, ni avant, ni après. Alors, 15 hadith dans sa première chapitre là, imam, à Tirmidhi, une cité concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur l'apparence physique. Allah Rabbul Alameen donne-nous barakat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et Inch'Allah pour annoncer après qui jour, qui date, nous pouvons faire une deuxième session. Inch'Allah, il y a 56 chapitres là-dedans, nous faire un effort même un an, un an et demi, deux ans, nous pouvons terminer ce chapitre-là. Nous pouvons prendre quelque chose de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et en même temps, nous pouvons ajouter un autre chapitre dans la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comment, qui qualité respect ben sahaba tiena pour Nabi Karim et qui qualité respect ben sahaba tiena pour ben quelque chose qui touche Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ce chebe mubarak, ce kurta mubarak, Nabi Karim ce jour, Nabi Karim sur 10 ans, jusqu'à Nabi Karim sur l'irine. Comment ben sahaba tu comprends ça? Qui qualité respect de tienna pour l'irine de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam? Pour 10 ans, Mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons inclure ce chapitre là aussi pour nous en prendre maximum quelque chose
le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alameen fait Qaboul, nous présente à sa mahfilla. Allah Rabbul Alameen donne-nous barakat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et par barakat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah consolide-nous le aqidah et le principe Ahl Sunnah wal Jama'a. Et Allah Rabbul Alameen donne-nous plus muhabbat pour Nabi Karim, plus adab pour Nabi Karim, plus adab et muhabbat pour man sahaba, tabi'in, tabaw tabi'in, man awliyaullah, jusqu'à qu'il nous quitte dunya avec iman et muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils au qiyamah nous lever avec man celui qui a muhabbat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fini faire ça là-bas.